unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis au sang, ces hommes et noirs, la libata chez notre aîné. Hello. Mon États-Unis, tata yo ki kole la nabino, atinde libino, maman Samira, ndenge ozala kan États-Unis au kole lo kola mutwaza na mombele, lo kola mutwaza na ngaba. Merci mon bou. Wow! Est-ce que mon bou? Bana États-Unis, kole abio et komi lo lingi nabino. Bona kozwa, mbisi ya kokauka, tope na fute mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Che mama Samira, mansor mazali, eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga mabete, pona kozwa biloko a detay. Yoka numero, numero 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka misia kokauka mongusu mafuta mbila et kokoma lokola bazoka na yo. Yeyo kombone mama Samira makianbae. Mesdames et messieurs, l'actualité, deuxième partie critique info. Merci de nous suivre. Et si la solution à nos problèmes, c'était la Russie. Ah ben non, je le dis. Si la solution à nos problèmes, c'était ces types, ben là, il faut voir, parce qu'avec l'Amérique, parce que là, il faut maintenant des alliés, il faut une intelligence, il faut développer une intelligence, une stratégie d'attirer les républicains un peu, peut-être. Parce que j'ai comme l'impression qu'avec avec les démocrates, ça ne marche toujours pas. Les démocrates américains, je ne sais pas, mais je crois qu'ils ont eu des très bons rapports avec les Rwandais depuis un certain temps. Je crois que ce sont eux qui ont véritablement mordu à cette histoire de génocide, hein, je crois. Je crois qu'ils ont vraiment mordu à cela. Et en même temps... Quand je regarde de près, je regarde aussi que le conservateur, on va dire, non, je veux dire, les républicains sont, bon, l'Amérique, c'est vrai que c'est un tout, mais est-ce que nous ne pouvons pas développer des échanges assez profonds avec la Chambre des républicains, un groupe de républicains? Sinon, ce ne sont que des idées. Et puis, avec Poutine. Puisque si vous regardez vraiment, vous allez vous rendre compte que Poutine et le républicain, c'est pas trop je t'aime pas, c'est pas trop voilà, mais c'est plutôt avec les démocrates que ça ne marche pas beaucoup. Mais avec le républicain, j'ai comme l'impression que la Russie et les républicains ne sont pas très 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 en désaccord. Ça peut être des désaccords profonds, mais pas dans la même profondeur que ce que c'est avec les démocrates. Ou alors ma réflexion sur cette question peut être totalement fausse. C'est possible. Ça peut être totalement fausse. Je l'admets. Mais et si on faisait des accords avec la Russie, par exemple, est-ce que ça nuirait à nos relations avec l'Amérique? Si oui, qu'est-ce que l'Amérique nous apporte déjà? Qu'est-ce que l'Amérique nous apporte déjà? Et comment vivent les pays qui ne sont pas en contact direct avec l'Amérique? Comment vivent-ils ce pays-là? En fait, c'est des questions que l'on doit se poser. C'est des questions que l'on doit véritablement se poser. Aujourd'hui, est-ce que la Russie peut nous aider dans l'armement, par exemple? Est-ce que la Russie peut nous aider dans l'aviation? Est-ce que la Russie peut nous aider dans certaines infrastructures? Est-ce que la Russie peut nous aider en tout cas du côté militaire? Et puis après, vous pouvez regarder l'armée russe et quelle armée, sur l'échiquier international, l'armée russe à quel niveau. Tout ça, on doit voir et puis dire, bon, ok, on y va avec eux. Puisque jusqu'aujourd'hui, tous les accords que le président a eu à avoir avec les autres pays n'ont pas forcément été des accords militaires. Des accords de finances, des accords de management, des accords des investisseurs, ainsi de suite. Mais est-ce que nous avons exploré la donne de la militarisation de notre pays? Par exemple, avec la Turquie.
Est-ce que nous avons des accords sur la défense? En fait, c'est à nous de décider, de voir qu'est-ce que ça peut nous rapporter. Est-ce que ça nous rapporte plus? Est-ce que ça nous rapporte moins? C'est à nous de voir. Même avec les républiques, même avec les démocrates, comme je l'ai dit dans la première partie, nous devons nous dire qu'est-ce que nous gagnons avec eux et qu'est-ce que nous perdons avec les autres. Alors, ici, c'est une question maintenant de voir comment on fait. Mais moi, je suis très convaincu que le Rwanda, il suffit pour le Rwanda de nous voir extrêmement placés, avec beaucoup d'ambition, le Rwanda finira par reculer. Qu'est-ce qui est dit dans l'actualité? Selon Gilbert Kakonde, le mandat du président Tshisekedi a démarré sur de grands espoirs de notre peuple. Après le premier cheminement, l'espoir commence à s'effiltrer. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Ça, j'en sais rien. Mais est-ce qu'il a vraiment dit ça? Alors, s'il a dit ça, est-ce que c'est M. Gilbert Kakonde qui était ministre de l'Intérieur à l'époque? Est-ce lui? J'imagine, mais je ne sais pas trop. C'est lui qui a dit ça, ça, j'en sais rien. La guerre près de Goma. Manifestation populaire ce mercredi à Bukavu pour soutenir les FARDC et exiger d'autres sanctions contre le Rwanda. C'était à Goma, je pense. Hein, manifestation populaire... Mercredi, c'était hier, à Bukavu. Et puis la RDC qui traque les ADF, des opérations militaires conjointes, FRDC-UPDF, prolongée de 2 mois. Gestion des eaux dans le bassin du Congo, l'UNIKIN annonce une journée scientifique pour proposer des solutions préventives des conflits et garantir la paix et la sécurité. Voilà pourquoi je disais que je voudrais que l'UNIKIN essaye de s'asseoir sur la question de l'Est. Imaginons que nous faisons passer un communiqué à la télévision comme quoi notre Polytechnique et notre ISIPA sont en train de développer des stratégies pour comment espionner le Rwanda électroniquement. Ce qu'ils font tous dans l'informatique. Ils essaient de voir, on a des batoka ba Achille, on a qui est potoka bo Kangina, on a Chilozong, c'est placement quoi, on a les Boutier, on a circuit. Imaginez des choses. Ça peut faire des choses bien. En fait, ce que vous sous-estimez, c'est quoi? C'est que ce que vous ne savez, parce qu'à force de dire la même chose plusieurs fois, les gens croient. À force de répéter ça, ça peut croire. Donc, si nous développons une intelligence comme ça, je suis très convaincu que ça peut changer beaucoup de choses. Après 4 mois de détention, l'ancien conseiller sécurité du chef de l'État comparaîtra le 3 juin devant la justice militaire. Le procès Vital Kamerhe répond ce jeudi 2 juin. 2022 à la cour d'appel de Kinshasa. Gombe indique l'extrait de rôle de juridiction. Il y a tellement d'actualités aujourd'hui qu'il faudrait en parler, mais permettez-moi de vous dire un élément. Je lance un SOS. Vous qui aimez l'Équateur, vous qui aimez Mbandaka, ISDER se meurt. Notre institut supérieur, l'un des plus grands et vieux instituts de la République démocratique du Congo, on n'en trouve pas beaucoup dans ce pays. L'ISDER de Mbandaka, il y en a je crois un autre à Bukavu, l'ISDER est en train de mourir. La dernière fois que l'on a, que l'on est arrivé à peindre, ça date des années au point que les travailleurs ne connaissent, ne se rappellent même plus. Moi j'ai grandi à Mbandaka et ça me fait de la peine de voir ce monument tomber comme ça. À l'époque, c'était l'attraction de toute la République et même des pays de la sous-région. Ils venaient ici. On a des problèmes de développement. Mais là, c'était un institut supérieur de développement. Et quoi? Rural, s'il vous plaît. Donc, vous ne pouvez pas faire les 145 territoires sans penser à ces techniciens de développement. Puisque l'ISDER forme des techniciens de développement, comment vous pouvez m'expliquer que l'ISDER soit aussi par terre comme ça? J'implore les faveurs, si vous voulez, de la Première Dame. Je ne le fais jamais dans mes émissions, mais je le fais aujourd'hui. Très chère Première Dame, distinguée Première Dame, vous prenez pour l'éducation, vous prenez pour l'enseignement, vous prenez pour la qualité de l'enseignement. Très chère Première Dame, essayez de regarder avec votre œil maternel la situation de l'Équateur. Si Dieu nous aide et vous me le permettez, je vous emmènerai le projet. Je ne suis pas étudiant de l'ISDER. Je n'ai même pas fait l'ISDER. Mais pour avoir joué mon basketball là-bas, pour avoir été invité plusieurs fois dans cet institut-là, je ne peux pas laisser cet institut mourir comme ça.
parce que l'Institut se meurt. Chère Première Dame, cher Premier ministre, essayez de regarder cette question. Cet institut, aujourd'hui, n'a que 500 étudiants. Est-ce que vous imaginez? Ce qui pouvait hier avoir 2000, 3000, 5000 étudiants, aujourd'hui, cet institut n'a que 500 étudiants. Quasiment une affaire de c'est un auditoire. C'est moins de... Enfin, moi, j'ai fait l'UNIKIN en 2012, en L2. On était à 1000 dans un auditoire. Mais là, je vous parle d'un institut supérieur. C'est pourquoi j'ai pris l'engagement personnel d'apporter mon soutien, mes maigres moyens, je vais le faire. Alors, si tu es aussi Congolais, si tu penses à l'enseignement, tu as besoin de voir ces gens se développer, joins-toi à moi, aidons ISDER. SOS ISDER, aidons ISDER. Nous allons demander au DG, M. Luando, de bien vouloir ouvrir un fonds pour le soutien de ISDER. Ça va être un PSA, ça va être n'importe quoi, mais que l'on y mette un petit rien. Et si, avec son autorisation, je mettrai ça en public, vous allez envoyer vos frais. S'il vous plaît, ne laissons pas cet institut mourir. Il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas de bancs. Même le tableau, il n'y en a plus. C'est quasiment en train de mourir. Si nous ne faisons rien maintenant, ça va mourir. Je vous prie, chère autorité, je vous prie, chers Congolais, je ne parle même pas des ressortissants parce que je n'aime pas. Je vous parle tout simplement de ceux qui sont portés. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Si tu achètes un banc et tu viens donner à l'ISDER, je suis très convaincu que l'enfant ou l'étudiant qui se mettra sur ce banc-là se rappellera de toi. Aidons, faisons quelque chose d'important là-bas. Nous, moi, j'ai pris ma décision de faire. Je ne le dirai pas ici parce que ça ne sert à rien de dire ce que je vais faire pour cette université, pour cet institut supérieur. Mais aidons cet institut à ne pas mourir. Aidons cet institut à ne pas mourir. ISDER, ceux qui connaissent ISDER Mbandaka savent. Bino Bato, Tika Mbandaka Kala. Boka ISDER Nasango, Ezo Koufa. Nga na beta basket wana. Ba tournoi ya ba école. Ya wana tolobi ki tan. Mbandaka tokitozo nga tokino betisa tournoi wana. Redonner encore l'image, je le ferai. Pour l'amour de ISDER, je ne me tairai point. J'en parlerai. Je rappelle qu'ils ne m'ont pas payé, puisqu'ils n'ont même pas l'argent de faire déjà même la peinture. Ils n'ont même pas l'argent de faire la clôture. Comment vont-ils me payer? Nous estimons que c'est toujours important. Et comme nous sommes en train d'étudier et de faire mon troisième cycle, et si l'occasion m'était donnée d'enseigner là-bas, je rentrerai. Et j'enseignerai sans aucun franc. Et je l'ai dit même au DG, je ne prendrai rien du tout. Je paierai mon billet, je vivrai chez moi. Je ne dis pas chez nous, je vivrai chez moi. Je dispenserai cours sans aucun problème. Puisque nous avons besoin de ces jeunes gens-là. Et j'ai fait déjà la campagne. J'ai essayé de convaincre un ami encore. Il s'appelle Artens. Appuyé. Pourquoi appuyer? Puisqu'il a joué là-bas. Il a été grand basketteur là-bas. Aujourd'hui, c'est l'un des grands économistes de mon pays. C'est l'un des Congolais qui maîtrise la question non seulement des finances publiques, mais la question des marchés publics. Ils ne sont pas nombreux. Et je suis fier d'être ami, frère d'un jeune comme ça. Et on ira nous deux là-bas. Nous allons aller nous deux là-bas. On y va et on fait des choses parce que nous estimons que c'est notre... pays. C'est notre pays. Nous devons faire quelque chose. Chers frères, chères sœurs, venez en aide à l'ISDER. Venez vraiment en aide à l'ISDER, s'il vous plaît. Je vous prie de le faire. Venez en aide. Aidons ces jeunes gens. Aidons notre province. Aidons notre République démocratique du Congo. Aidons la future génération. Pourquoi je dis ISDER Mbandaka? Vous savez pourquoi? Puisque autrefois, les Gomatraciens, ceux de Kikwiti, ceux de Kinshasa, ceux de Kisangani, tous ceux qui voulaient apprendre le développement rural, devenir des techniciens, partaient là-bas. Et Mobutu était à la limite un génie. Il avait compris.
qu'il ne fallait pas multiplier il fallait le garder dans un coin pour lutter effectivement contre le tribalisme. Ça fait 5 ans. Imaginons un peu Moutoti Bandundu à Ekouva en Équateur, Poitang en Équateur, pendant 5 ans. Et quand il arrive là-bas, à Koutimouta Chopo, à Koutimoutouya, il y a Nini, il y a Kinshasa, à Koutimouta, à Koutimoulouba, mais ça crée une certaine... Voilà. Et les gens vivent bien. Messieurs et dames, je demanderai au DG Loando de bien vouloir ouvrir un compte. Et ce compte-là, on le mettra en public. Et le fonds que l'on donnera va sauver Isder. Zala fier que Ata Bana Omorizakuna. Vous êtes fier que vous avez un stylo dans les akuna. Vous avez un livre belé dans la poto. Ben, pas tous les livres, bien sûr. Les livres qui concernent le développement rural, tout ça. Allez-y. On va le faire et on va bien le faire. Voilà un peu, messieurs et dames. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Revenons maintenant sur l'actualité. João Lourenço offre ses bons offices. Le chef de l'État était clair sur la question. Et il est clair sur la question. Il veut la paix. Le chef de l'État veut la paix. D'abord, en premier, la paix. Mais s'il n'est pas possible de construire la paix, bon, on va tenter les options militaires. Mais c'est aussi ça le problème. Ou on veut une paix totale, ou c'est une guerre totale. Et ça a été prouvé que si nous commençons une guerre totale, nous savons comment mener des opérations pour que les autres parties du Congo ne soient pas en danger. Et même les populations qui vivent à Goma soient épargnées. Contrairement à Panabango. Vous savez, quand ça commence à Gisenyi, Gisenyi à Kigali, c'est pas loin. Gisenyi à Kigali, c'est environ quoi, 4 heures, 5 heures, 3 heures. C'est environ ça. Et puis, parce que la route, elle est serpentée, voilà, on fait ça. Peut-être. Mais quand ça commence à retentir du côté Gisenyi, vous avez vu ce que la population a fait hier. C'est ce qu'on appelle des signaux forts. Cette population rentre. Ça peut vous dire simplement que nous n'allons pas utiliser avion, non. C'est Namabili. Les gens vont rentrer par la voie routière et ils peuvent atteindre les proportions terriblement inquiétantes et ce n'est pas bien. Monsieur Kagame a le choix devant lui. De construire la paix ou d'assumer la guerre. Mais que parce que les gens, parfois, ils mettent leur confiance dans l'allié. Ah, l'Ukraine a mis confiance dans l'allié. On a vu ce qui s'est passé en Ukraine. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas nous dire qu'est-ce qui est détruit vraiment en Russie. Hein. La différence, et ça, c'est Sun Tzu qui le dit. Lorsque vous faites la guerre, il faut toujours voir vos frontières. Il faut toujours voir vos frontières. Est-ce que si nous faisons ça, nous, ils sont plus proches à notre capitale ou ils sont plus proches dans nos provinces? Si ceux qui veulent nous faire la guerre, eux sont plus proches de votre capitale, vous allez beaucoup éviter. Parce que vous savez que les dommages collatéraux peuvent être de grande importance et vous êtes très dangereux. Donc si maintenant nous commençons à faire la guerre avec le Rwanda, c'est eux qui vont subir les affres. Il y a guerre avant. Puisque les mortiers, nous les avons. Les armes de grande envergure, nous les avons aussi. Alors imaginons ce que tu as la guerre en Rwanda, tu as une guisée, tu poses Babylone en Abyssouana, alors tu as une soukouma. Le temps Bangoba va nous toucher, et ils risquent de ne même pas toucher certaines villes au Congo. Mais nous, là-bas, seulement dans la province, on peut facilement le faire. Très facilement le faire. Donc, toute la position de Bozanango, nous avons différent. Et je le dis encore en termes de développement, le Rwanda a déjà goûté dans moi, Gouana et développement. Il y a mis le prix qu'ils vont payer ceux qui le côté dans la situation, il y a guerre. Il y aura certainement beaucoup de morts, c'est sûr. Il y aura certainement beaucoup de problèmes, c'est sûr. Mais rien n'est garanti que le Rwanda sera ce qu'il est. Si le Rwanda veut rentrer en 1994, parce qu'on a été en 94, il n'y a pas de problème. Puisque dans cette guerre qui aura entre la RDC et le Rwanda, que le Rwanda n'oublie pas que la RDC peut utiliser les forces négatives du Rwanda, au sein du Rwanda. Vous savez, dans la diaspora, il y a des gens qui sont hostiles à la gouvernance de Kagame.
Il y a des gens qui sont hostiles à la gouvernance de Kagame, mais ils n'ont pas de moyens, puisque la communauté internationale, puisque les pays étrangers, puisque les autres pays occidentaux sont d'accord avec la gouvernance du Rwanda. Et on ne dit pas qu'il est dictateur d'ailleurs. On ne lui dit pas ça. Alors voilà pourquoi ils sont arrivés à museler les opposants du Rwandais. Mais s'il y a une ouverture des guerres, et ça l'est mis, ben vous imaginez les alliances qui peuvent être faites. Est-ce que c'est ce que M. Kagame veut? Puisque moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette option-là. Mais on ne nous laissera pas de choix si vous nous poussez à bout. Puisque nous, on ne sait pas faire 3 pas, 4 pas, on recule. On ne sait pas faire 5, 7 pas, on recule. Aujourd'hui, le Rwanda avait obtenu quelque chose, il passe par les États-Unis, il passe par le Conseil de sécurité, il passe par les autres pays, on fait la pression au Congo, mais on libère. Oui, c'est bien, mais à un moment donné, cette politique finit par s'arrêter. À un moment donné, ça finit par ne plus payer. Et ça, c'est ce qui devient dangereux. Alors, est-ce que c'est vraiment important? Bon, c'est ce qu'on va voir, si c'est ce que les gens veulent, en tout cas. Et puis, il y a un autre sujet, la relance de Congo Airways. Le ministre Premier ministre Samalou Kondé donne les assurances. Au-delà des assurances, monsieur le Premier ministre, nous voulons la suppression de cette histoire de Air Congo. Nous n'en voulons pas du tout. Les gens ne veulent pas Air Congo simplement parce que vous n'avez pas encore réussi le pari de développer Congo Airways. Si Congo Airways commence à avoir 10 avions, et ce qui est logique, vous pouvez avoir Air Congo, il n'y a aucun souci. Vous pouvez même vous ouvrir, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais ce que les gens veulent, c'est que nous voulons, au-delà de tout, que nous réussissions d'abord, que nous arrivions à réussir le défi Congo Airways. Si nous arrivons à réussir les défis Congo Airways, on peut donc faire autre chose. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc c'était l'objectif. Adel Kaïnda et Guy Loando, Brad, les actifs miniers de Sokumo. Le journal s'appelle Amalgame. Voilà, donc ça veut dire que. Écoutez. C'est pas vrai. Madame Adel Kaïnda. Et puis, bizarrement, je connais les deux personnes. Je connais et M. Guy Loando, je connais et Madame Adel Kaïnda. Je les connais les deux dans leur incapacité de faire une aberration pareille. Non, je ne vois pas comment ils vont brader les actifs de Sokimo, sauf si on veut un peu, sauf si on veut faire un peu de l'amalgame. Ouais, donc ça peut arriver comme ça. Alors, la percée. Jules Alinguete a appelé à enquêter sur l'affaire. Et bizarrement, je suis habillé comme lui. C'est en tout cas coïncidence. Mais ce qui est vrai, on contrôle tous la même chose. Donc, lui, il est dans le contrôle des finances. Nous, on est dans le contrôle de probité de ceux qui veulent mentir aux gens, mais aussi nous contrôlons la qualité de l'information. La bonne, hein, pas les informations du pacotille où les gens ne donnent pas beaucoup de réflexion. Sangouma Moussaï offre un hôpital moderne à Guémena. Alors, permettez-moi de parler de M. Sangouma, qui est aujourd'hui l'un des grands notables et l'un des vrais exemples de la réussite dans l'intégrité dans la province de l'Équateur, le Grand Équateur. M. Sangouma, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte sa vie. Il ne fait pas trop de pubs. C'est quelqu'un de très effacé, mais quelqu'un de très probe. De très probe. Il est d'une intégrité que vous ne pouvez pas vous imaginer. Il n'est pas dans le coup bas, il s'étonne. En fait, on va dire un peu. Bon, dans le contexte politique congolais, c'est être naïf. Mais dans le contexte de politique internationale ou dans la vraie politique, c'est même ça le sens d'un politicien. Il ne peut pas imaginer qu'on peut lui faire du mal. Il ne peut pas. Au Congo, c'est être naïf quand tu penses comme ça. Si tu penses que les gens autour de toi, parce que tu fais le bien, ils ne vont pas t'attaquer, mais c'est faux, ils vont t'attaquer. Et lui, c'est M. Sangouma. C'est culture anglophone, quelqu'un de... Voilà, il est carré dans ce qu'il fait, il ne cherche pas trop de problèmes. Mais après, des grandes réalisations sont faites chez lui. Des écoles, des universités, des soutiens directs et forts. Et ça, avant qu'il devienne président du Sénat, en fait, vice-président du Sénat.
Il le faisait déjà. Et j'en ai parlé, vous vous rappelez, j'avais attiré l'attention des sénateurs pour qu'ils votent, pour qu'ils deviennent vice-président du Sénat. Puisque moi, je l'avais entendu parler, j'ai dit, le monsieur est bon. Pasteur d'abord, il est révérend. Vous voyez, ce n'est vraiment pas révérend. C'est pas des gens, non, c'est des gens, autant qu'ils n'étaient pas des gens bons autant. C'est pas des gens, yo, Zobela, y'a grâce à Libumou. Non, c'est des gens, on a tenu l'hôpital, pour qu'ils ne se faire soigner. C'est des gens qui disent, bon, là, la terre, rassemble là-haut. Non, c'est des gens qui aident des orphelinats. Et ça, ce qui est très bien, en fait. C'est ce qui est très bien. Donc, coup de chapeau à l'honorable Sangouma, coup de chapeau à lui. Je lui demande de continuer. C'est vrai que les gens ne croiront pas toujours. Mais ce qui est très important, c'est très bien d'avoir ces gens comme ça. Et le président de la République, quand il va penser à la dynamique de l'Équateur, n'écoutez pas seulement les gens qui font du bruit. N'écoutez pas seulement les gens qui racontent leur vie à la télévision. N'écoutez pas seulement les gens qui, avant d'arriver dans une ville, ils payent 500 millions ou 200 millions ou 300 millions aux gens, on fait des francs bien sûr, pour que les gens viennent nombreux à l'aéroport vous accueillir. Non, il y a des gens qui viennent avec des projets dans le valise et dans l'aéroport, il n'y a personne. Ils arrivent sur terrain. Ils mettent des choses en place et puis ils rentrent. Ça a des impacts directs. Que ceux-là, des fanfarons qui arrivent en Mbandaka, qui payent l'argent aux gens, qui viennent nombreux à l'aéroport, Tolingio. Et puis après, les gens restent dans la même situation. C'est très compliqué. Alors qu'il y a des gens qui arrivent, qui disent, on veut créer des choses. 500 millions, 200 millions ou 300 millions, et je parle aussi à l'honorable Sangouma que je verrai personnellement pour la question de l'ISDER. Lui, je le verrai personnellement pour en parler. Cette question, c'est très important. Elle est très importante, la question, allais-je dire. C'est la percée qui en parle. Une foire de défiance et méfiance entre vrai et faux Katangais. Bon, on n'en parle pas beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Joyeux et pétillant anniversaire à une sœur. Elle s'appelle Domina Palouzi. Heureux anniversaire. Mbotama Ela Mupunayo. Que Dieu soit avec toi. Que cette année te soit une année de bonheur, une année d'opportunité, une année de grâce. Voilà, que Dieu t'accorde beaucoup de chance, beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. Donc, Domina Polozi, Kenzambe A Batelayo, Mbotama et l'amour. C'en est fini. Merci de nous avoir suivis. Au Canada, à Montréal. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Bienvenue sur Datacall et félicitations. Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité. Réservez le vôtre maintenant.
www.datacallkit.com. www.datacallkit.com. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuez-les aux hommes, s'ils ont mis noir, Daïmada, Chino, tuez-les, n'a qu'il n'y a pas d'apicot.